Eyata, bade obe, ne vanya bo, ple lo non si nou sena. Gade obe, bade obe, ne vanya bo, ne va hadame. Be, nye fwe ti meti ti blibo, na poule, ne fwe lo lon. Ake fwe fwe le si okatame, ne fwe man lo konye. Et tandis que je vais vous faire un peu de temps, je vais vous faire un peu de temps. Et si je vais venir nous faire un peu de temps, je vais vous faire un peu de temps. 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 Et bien, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et bien, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Que Christ nous soit, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Amen.
Tais-toi.
Bible dit, tais-toi, dis-le-lui. Autre chose qu'il faut constater à ce niveau, c'est que ça signifie bien que quand nous allons nous rassembler comme ça, on vient adorer Dieu, mais un esprit mauvais est là. Il est présent, non seulement il est présent, mais il est plus vivant que nous. Il est plus expressif, il se manifeste, et il va falloir mieux de nous voir. Et c'est son lieu, il est là, il possède le lieu, il est là. Et c'est lui qui s'est manifesté dans tout premier. Il dit, mais moi je sais qui tu es, alors que les autres étaient inconnus. Ça veut dire que dans le temps, il y a aussi ces esprits qui sont là, parmi nous, et qui font, et qui agissent. Ça peut être moi-même. Ça peut être moi-même. Et au pasteur, lui le seul Dieu sait. Quel type de prophète es-tu? Donc, c'est des indications qui doivent nous éveiller. Et l'esprit mauvais a poussé le Christ à tourner le regard sur celui qui était possédé, lié, qui a besoin d'être libéré. Et le Christ se manifeste, Jésus se manifeste d'abord en tout premier comme le Dieu libérateur. Et s'il va rien négler. Le Dieu libérateur, dans le plan vraiment matériel, infiniment gros, pour maintenant. La libération du corps, c'est le premier miracle, on peut dire. Et selon Marc, la libération du corps. Combien sommes-nous liés nous-mêmes sans le savoir? Avec votre deux bras, le ton corporel, vous avez derrière. Je ne sais pas si ça veut que lui-même il était bien. Il était là, mais il s'est manifesté en présence de cette force positive. Il a réagi à partir de là. Jésus a libéré ce corps. Il a libéré. Mais sommes-nous conscients de tout ce qui nous lie nous-mêmes aujourd'hui? Au temps de la mission, quand le missionnaire était venu, effectivement, la première chose qu'il faisait, c'est d'acheter les petits enfants qu'on allait voir, les libérer de l'esclavage. Après, il les mettait sur notre côte, je veux dire, la côte ouest-africaine. Il les mettait sur leur site. C'était le début de l'école. Donc, les sortir, les libérer de l'ignorance. Et puis, il mettait des centres de soins à côté. Les libérer le corps de la maladie. Et en même temps, nourrir cet esprit-là de la parole de Dieu. Ce qui libère l'âme, qui libère l'esprit. C'est le travail qu'ils faisaient quand les missionnaires étaient arrivés en tout premier. Aujourd'hui, il y a encore des différentes forces qui nous tiennent enchaînés. Mais il y en a de tout simple, qui emballent notre société. Ça peut être l'injustice, les forces qui manipulent et qui créent des systèmes injustes, l'égoïsme, mais de lui, on dit, la cupidité, l'orgueil et l'ego. Il y a différentes forces et l'Église, qu'est-ce qu'elle fait face à ces forces? Je suis bien. À la fin de la fois dernière, on parlait de la RDC et un des ministres réagissait. On suit quand même ce qui se passe en RDC entre la politique et le pouvoir politique. Mais où c'est la radio à où les catholiques sortent maintenant contre le pouvoir, ils marchent, on tire dessus, ils sortent. Et finalement, Monseigneur a dit, mais. Que ces incapables-là s'écartent du pouvoir pour laisser les gens vivre. Il faut que les incapables quittent le pouvoir. Donc il y a un conflit entre l'Église catholique et le pouvoir politique en RDC. Un conflit ouvert. Ils sont sortis, on a tiré dessus, puis les catholiques. Et le ministre disait, mais les catholiques, il y a pour le pouvoir et le contre-pouvoir dans l'Église catholique, comment il peut prendre position?
Ils n'ont pas fait de position pour l'opposition. Ça me rappelle une parole qu'a dit un chef d'État aussi que je connais, il y a plusieurs années de cela. L'Église a seulement à prêcher l'Évangile, n'a pas fait mener de la politique. La politique, c'est quoi? C'est la gestion de la société. Et une politique affiche pour tous. Et là où il y a la justice, l'Église doit avoir une parole de justice. Et si c'est cette parole de justice que les autres prennent pour de la politique, alors là, si l'Église se tait, c'est qu'elle est à côté de sa mission. Tout système injuste doit interpeller l'Église. C'est le rôle de l'Église de dire, voilà ce que dit la parole de Dieu. Le Christ est venu pour nous libérer. Tout système qui met sous domination, tout système qui lie les deux, est un système injuste, est un système diabolique. Et l'Église doit réagir. Non, ne pas réagir pour dire, nous, on est pour un tel modèle, mais nous réagissons parce que le peuple a des besoins de liberté. Ici, quand on avait fait la prière la fois dernière, j'ai dit, il y a un slogan qui sortait, ce slogan-là, au Togo, c'est n'est pas un objectif. N'est pas, il faut un objectif. Et chercher le but pour parvenir à l'objectif. Donc, l'Église a ce pouvoir, a droit à cette parole pour libérer l'individu, pour libérer le peuple, pour libérer les populations. Et c'est ce que Jésus a fait, en fait. En pensant à l'autre, à la liberté de l'autre, au bien-être de l'autre, on ne peut pas, rester les bras croisés. Voilà. Quand nous en venons du texte de Corinthiens, puisque Jésus a saisi cette occasion, cette perche que lui a tendue le diable en lui disant de se taire pour l'écarter et libérer ce corps-là. En venant au hôtel de Corinthiens, faut-il consommer de la viande sacrifiée aux idoles? Bon. Et dit non, il dit après des divorces, il a dit qu'on a pas mal, à Plauto, non, finalement, au témoin. Alors, dès qu'il y a ce coup, matin, il y a fond. Mais il y a ce coup, quand vous allez à l'école le matin, il y a pas où ça, vous allez. Et moi, j'ai pris une. Mais il a même invité l'on a dit. Lui, il y avait aussi Franck, Franck, il y a l'école. C'est autant consommer, autant dépenser encore, tu as 5 fonds pour aller à l'école. Et tu achètes le riz, la viande, le bonbon, tout dans les 5 francs. Frère, regardez comme on aime. Nous, on avait peur. On allait à l'école évangélique. On regardait, on passait dans ton chemin. On avait peur. Il y a d'autres qui arrivaient, qui n'étaient ni protestants, ni catholiques, ni noirs, ils prenaient, ils faisaient comme ça. Avec les pieds, et ils prenaient les soupirs dedans. Et ils s'en allaient. Ils ont dit, voilà le dernier homme. Mais merci, tu vois, dernier homme. Vous avez donné. Tu as souvent la loi, ouais. Ça veut dire, aujourd'hui, en réalisant les. On y pense, je dis, mais nous avons peur de ces gens-là et de ce qu'ils font, en fait. Minier vos fonds bénédictions à l'année armée. En revenant à ce texte, ce qui se passait à Corinthe, c'est que toute la viande qu'on vendait au même marché à Corinthe en ce moment était de la viande sacrifiée aux idoles. Nous, quand on est dans la racine, les mapliens, à nous des mapliens. Ah, qui vient bien derrière moi? Mapli, alors il m'appelle. Mapli, alors il m'appelle. Et lui, ça, l'autre chose, ça, on a trop à Mapli, alors il m'appelle. À Mapli, on va conseiller moi, on va faire. Mon coup, vous voulez que je me dise, et l'autre, ça, on est Mapli. Pour moi, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'incidence. Je peux prendre ça et manger, ça, je ne donne rien, c'est ma foi. Bien, Mapli, bien, Mapli, on lui a sauvé le trop à. Bien nous l'avons compté vraiment. Donc il y a deux sujets. On sait que c'est au total. On se pose la question qu'il faut manger.
changé. Je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ce qu'on donne à nous, un autre Dieu. Moi, je m'en fous, un autre Dieu. Il n'y en a pas, quelques dieux. Même si on dit, c'est mangeable pour moi, je peux manger. Et effectivement, des gens mangeaient. Et ça choquait d'autres. Et de la lumière de programme, il y a un support pour le même mieux, le même temps, mais quand il y a un tabac de vie. Et puis il y a un tabac de vie, il y a un mieux, on va faire un autre tabac de vie. Nous supposons pas. Mais la question qui se pose, bon, il y a des gens qui font les deux, et ils le font par la foi, pas par la connaissance que Dieu est Dieu seul, et puis qu'il n'y a pas de bien sacrifié à un autre Dieu qui est élevé. Mais il y a des gens qui ont un autre nez. Au souvent, on n'a pas les filles à quoi disent, là, les souvent, on n'a pas les filles à quoi disent, on n'a rien. Mais il y a tout. Et il y a le goût, parce que, eh bien, même je mange parce que je sais qu'il n'y a que Dieu, ce qui est un soir, disant Dieu, n'a pas d'incidence sur ma foi. C'est ça, la connaissance. Mais, le texte nous dit, mais si un autre à côté est choqué, dans sa foi par ce que tu fais, est-ce que tu vas continuer par faire? Fimaïe René Bouraviou, Bouraviti, Bounovionti, et au premier, Nenelen, de Founa et Ania, que ma, Nagaro. Nanela, Yosavo, Otosavo, Nalebo, la Sima, Avada, ou Souban, et bien, puis autant. Et, Novio, la Hau, et ton tonne de français, et ma malheur, vous il vaut mieux ne pas manger de la viande. Donc, ce qui compte, ce n'est pas ma connaissance. Ma connaissance fonctionne sur l'amour du prochain. Je mets d'abord mon frère, je pose d'abord mon frère, ma soeur, et je vois ce que je dois. Et je analyse mon comportement, ce que je peux faire à partir de ce qui peut édifier le prochain. Donc, c'est le prochain qui est central, et pas moi. Faut-il le faire? Et puis là, j'ai un bel exemple qui n'est pas lié à la viande. Et là, à l'eau corale, vous m'avez fait passer un merveilleux hôpital. J'ai l'air déjà fait comme un doigt ou le 31. C'était la première fois et depuis il y a un la première fois où un doigt ou ils sont présentés comme ça. Bon, ça a dû gêner certains. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que Aguia Toré n'avait pas sa robe là-bas, sa tenue là-bas, et il devient du sol là-bas. Awa les filles. Harmonie Tchema Ouba. Et Harmonie Latoua. Et Aguia Toré Yamado. Aklo Olo Nenema. Et ils se sont arrêtés pour dire si tel est le cas, personne ne porte la robe. Et j'ai dit on a fait du chemin. Si ça peut déranger l'autre, pour l'harmonie du groupe, faisons tous comme quand il y a un jour symbolique, un jour d'importance, on ne prend pas la robe parce que c'est pas la robe qui va se déployer le culte. C'est un peu ça, c'est du genre. Quel choix faire dans certaines situations? Le choix qui nous met tous en harmonie. C'est ce que la parole nous dit. Et le 31 décembre, ça m'a touché positivement, ça m'a. Je m'en suis régalé. Voilà, je vous le dis, il faut que je vous le dise. Non, ça c'est bien, il faut le dire. Nous devons servir Dieu dans l'harmonie et la considération du prochain. Nous ne pouvons rencontrer Dieu que dans l'image du prochain. Mais ma voix, elle n'est pas que pour vous. Mais vous l'avez dit. Mais ma voix a envie de me battre pour ma voix. Ne mettez pas les mots, mettez les mots. Et j'ai été édifié en vous disant l'histoire de. Cette histoire de Saint-Christophe. Il y a Saint-Christophe. C'est catholique. Et quand on était petit, les gens mettaient ça dans leur voiture, un médaillon avec un vieux, avec une dame qui portait un enfant sur les épaules. Eux disaient c'est Saint-Christophe, le Saint-Christophe. Et quand Saint-Christophe, c'est le saint des voyageurs. Mais quand Saint-Christophe. C'est le saint des voyageurs hein, qui portait les voyageurs, dit-on. Mais quelle est l'histoire de Saint-Christophe? Saint-Christophe était un vieil homme qui, depuis son enfance, voulait rencontrer Dieu. Il dit, je veux voir Dieu. Caca au petit poids, regarde.
Et il y a comment on a un comment mais il une voix, il entend une voix qui lui dit, je suis Dieu, je te donne rendez-vous de l'autre côté de la vallée sur la montagne. Il fallait qu'il quitte la montagne, qu'il descende dans la vallée, traverse la vallée, remonte la montagne, et je te donne rendez-vous au coucher du soleil. Mais si tu entends cette voix-là, la vie avait donc déjà une voix normale. C'est Christophe part tout le matin. Il a rendez-vous au crépuscule. Il part tout le matin. Il descend la vallée, il passe par les forêts. Il arrive dans la vallée où il y a un ruisseau. Et au ballon, et toi quand-même, toi, tout toi, il trouve un monsieur qui se débattait dans le ruisseau avec sa charrette chargée. Mais ça ne passait pas. Et il est toi. Le monsieur dit, homme, viens m'aider à sortir ma charrette. J'ai rendez-vous avec Dieu. Saint Christophe s'arrête. Et aide le monsieur. Il aide le monsieur à sortir et le temps de sortir ses charrettes du ruisseau, ils ont mis 6 heures. Il lui restait à peine 1 heure pour monter la montagne et rencontrer Dieu sur le haut de la montagne au crépuscule. Alors il commence à courir. Et arrivé, le crépuscule était arrivé déjà 10 minutes plus tôt. Avant, il était en retard. Mais pas dans l'école. Il est triste. Il rebouche. En descendant, il arrive encore au ruisseau. Et là, c'est un petit enfant qui voulait passer. Et il dit, moi, je suis trop. Monsieur, je suis trop petit. Oh, je suis trop petit. Je dois passer. Je risque de me noyer. Peux-tu me porter pour traverser? Et il dit, quoi, ouais, ne me télé à la bonne dimension. Je vais te donner pour m'envoyer le maïs. Je suis allé là dans les dîners, et on est là pour mon avis. Et là pour mon avis. Ne me télé à la bonne dimension. C'est Christophe s'arrête. Porte le petit sur ses épaules. Il rentre dans le ruisseau, et là, c'est là que tu commences par. L'eau qui commence par monter, l'enfant qui devient de plus en plus lourd, et l'eau qui commence par monter. Ah, je vais me noyer, et il y a ma corde bien coupée. Mais quel diable j'ai porté qui me pèse quand j'avais porté c'était léger, maintenant quand j'arrive au tout milieu, ça me pèse et l'eau qui monte. Bon, tu as besoin qu'il y ait un indigné. Le rêve de la belle, il y a. Donc au fond, bien, qui ne réagirait pas comme ça. Mais il a transporté le petit et quand il est arrivé sur la rive, le petit lui dit, monsieur, oh, je suis le fils du monsieur que vous avez rencontré tout à l'heure ici en allant. Je suis le Christ. Et je suis le fils de ce monsieur-là. Le chargier, tu faisais devenir des gens qui veulent, oui, je suis le Seigneur, je suis le Christ, oui. Ça veut dire que c'était Dieu lui-même qui l'avait rencontré en retard. Dieu qui l'avait mis en retard. Dieu était en avance au rendez-vous. Dieu l'avait mis en retard, Dieu était en rendez-vous, Dieu l'avait précédé. Il ne le savait pas. Dieu au rendez-vous. Alors, il nous arrive, on court, on est quelque part. Il y a une vie qui se fait raconter, on se dit, moi je suis blessé. Ça arrive, tu aurais dépassé Dieu sans le savoir. Tu aurais raté cette rencontre avec Dieu. Le temps appartient à Dieu. Tout ce que nous faisons à l'autre qui a besoin de nous, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. C'est à Dieu que nous le faisons et ça nous revient toujours en mouvement. Et le fait de dire,
message qui est bon, qui m'a édifié. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, mais qui m'a édifié. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait même eu mon espoir. Quand il a dit, oh, le stage, regardez-vous. Non, mais pas, non, regardez le stage. Il a dit, oui, il y a bon. Le stage n'a pas donné, il y a un état. On s'occupe comme ça. Et le garçon a terminé son stage, il est parti, et puis le DRH a vu son nom, et ce nom-là l'a frappé. Alors il a appelé dans le groupe ce jeune homme. Il lui a dit, mais tu t'appelles un tel? Il dit, oui. Tu connais un tel? Il dit, oui, c'est mon père. Il est décédé, ça fait 10 ans. Et le monsieur qui baisse la tête, ému jusqu'aux larmes, lui dit, mais tu es le fils de mon père. Si je suis derrière ce bureau aujourd'hui, c'est grâce à son père. On m'a donné un nom. Dans l'histoire, il y avait un nom. Alors si je l'ai dit, peut-être ça peut appeler, mais je ne donnais pas le nom. Si je suis ici aujourd'hui, j'ai cette situation, c'est grâce à ton père. Ton père a été suscité dans notre village. J'ai fait la classe de scène de chez lui. Et quand on a terminé CM2, on passait en 6e au collège, mes parents n'avaient pas d'argent. Je ne pouvais pas. Et un beau matin, après la rentrée, j'accompagnais mon père au champ et il nous a vus. Ton papa nous a vus. Et le soir, il a invité mes parents, mon père, à venir. Et le père l'a rencontré. Il a dit, il faut que demain, ton fils aille à l'école, au collège. Il dit, mais je n'ai pas d'argent. Dit, demain, il a ta jeunesse. Ses camarades au collège. Et le fils est parti et il l'a récupéré chez lui. Le maître l'a récupéré chez lui. Il a fait tout son collège chez le maître. Après, il est parti au lycée. Et après le lycée, il dit, après le lycée, bon, ne pouvant pas faire les études supérieures, j'ai passé le concours, j'étais boire et on m'a pris et j'ai évolué dans la boîte. Ton père, je ne l'ai plus jamais rencontré. Je l'ai cherché depuis longtemps. Il dit, mon père est mort. Tu es le fils de mon maître. Ok, toi tu ne vas pas partir. Il revient le voir la semaine prochaine, prend rendez-vous, il le reprend pour 6 mois, et puis après il embauche. Ah, mais on voit. Mon frère, ma soeur, Amen. Amen.